Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le pare-choc a été changé. Ah oui, ah, carrément. C'est le bricolage. Alors, atelier montage de coupe bras par Mister Cordo Beach. Exactement. Putain, il a ramené, attendez. Il a ramené sa maison. On va pas aller jusque derrière, mais voilà, il y a tout là. La caisse à outils, les rivets, la perceuse. Putain, il y a même les cornes nid d'abeilles. T'aurais dû les péter, mon gars, les phares. Ah, tu vas me filmer, tu vas me chronométrer aussi. Ouais. Tu veux, j'ai une tondeuse. Non, non, je tombe plus maintenant, je garde les cheveux. Il a sorti le tu tombes le pare-choc là? Je crois que je vais faire comment, hein? Tu sais, pour les vis en dessous, t'aurais pu la lever, t'aurais été moins emmerdé. Hein. On a inventé les chandelles, c'est pas mal. Ah bah. Je suis pareil parfois aussi. C'est toujours tout d'origine, hein. Il n'y a même pas d'intercouleur à l'avant, il y a encore sur le côté. Qu'est-ce qu'il parle, l'autre action de la Ligue 4 là? Excuse-moi, mon Ligue 4, il n'a pas le pare-choc qui est sur le côté au moins. Ah bah désolé, la phase 1. Hein. Bah écoute, on fait avec les moyens du bord. Hein. Ah bah ouais. Je peux pas payer la voiture et le mariage, le futur mariage. Ah bah dans la vie, il faut savoir choisir. Hein. Moi j'aurais choisi la voiture. Ah bah moi je choisis le mariage. Hein. Ça y est, t'as ta réponse. Attends, viens là, je me fous de ta gueule, je t'envoie sur le j'ai la vidéo de ce qu'il dit, comme ça tu pourras faire tourner celle-là aussi. Merci. Et en HD, hein. Alors ça, je le montre à mon père à Noël. Souris. C'est à peu près un cadeau. Ouais. Tiens, je peux te dire. Ah, beau papa, il va pas être content. Il irait où? Je sais plus ce qu'il avait fait, il lui dit... Gauche. Si, j'avais eu mon travail, il dit t'as intérêt dans le restaurant, je vais faire la gueule. C'est pas normal. Il veut des gens. Sérieux? Ah oui. Bah si je te le dis, c'est que c'est vrai. Ah bah voilà. Si tu t'amuses aussi à faire des trucs bizarroïdes là. Pire, tu peux tout éteindre. Oh, je ferai un petit montage pour mettre sur YouTube après. Bah, c'est pour l'esthétique en fait. C'est une blague. Non. C'est une blague. Mais moi je connais pas parce que sur mon pare-choc ça se monte pas. Non, c'est juste pour dépenser de l'argent en fait. Bah, en fait, tu vois l'argent de ton futur mariage? Bah, il est en train de partir là. Tu le vois, il est là. J'ai mis une thune pour l'esthétisme. Pourquoi? Pour l'esthétisme. Ouais, il a oublié les jantes, les vite teintées. J'ai oublié les jantes, le pare-choc arrière, les combinés filetés, les coques de rétro, le mec qui cupe pas. T'as oublié de changer de voiture aussi, non? Ouais, c'est clair, ça aurait été. T'aurais peut-être dû aller direct à la Cupra, hein. Ouais, peut-être non, moins j'aime cher. Pas la patte avant. Mais j'aurais préféré, et puis j'aurais mis un pare-choc à faire. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Et un petit 17-22. Ah, bah ça. Ça m'aurait coûté, je pense, beaucoup moins cher. Mais l'assurance, elle voulait pas. Moi, l'assurance, je lui dis n'importe quoi, elle me dit oui. S4 mais oui. RS4 oui. Ah, ni l'un ni l'autre. Oui, mais bon. C'est un banquier. Non, non, 12 ans de permis. 12 ans de permis et pas aucun accident. Donc je peux leur dire ça, vous m'assurez, ça vous assurez. Je viens avec une liste, ils me disent oui à chaque fois. Ouais, mais c'est la campagne. Oui, si tu prends une liste et que t'agis pas. Non, mais c'est sûr. Il y a le mariage qui s'est mis. C'est la campagne, quoi. Bah, t'as un problème? La campagne, non, mais attends, la campagne de Roisy, répète, Le Mans, la campagne? Attends, c'est pas la campagne de chez nous, c'est normal. La campagne du Mans qui est connue dans le monde entier parmi les fans d'automobile, s'il vous plaît. Désolé. Désolé les champs qu'il y a autour du circuit, est pas au Mans. Eh. Non, d'accord, mais. Si, bon. Le Mans, le circuit. Non, il est à là. T'as sur n'importe quoi là-bas, même un tracteur. Il y a une partie. Non, Le Mans, Mulsanne, Arnage. Ah oui, ça. Sérieux, hein, quand tu m'as parlé. Ah, mais c'est pas la même. Tu fais trouver trois communes. Et le Bugatti est sur la commune du Mans. Ah, attention. Un virage. Boris a besoin d'aide. Olivier se tire. Ah non, c'est bien. Attends, parce qu'en plus, peut-être...
verte. Non mais dis-toi un truc, c'est qu'après il va redémonter pour la peindre couleur de patate. Ah mais je sais bien, je sais bien. C'est juste pour le positionnement. Il va recommencer, bien sûr. Ça fait deux McDo. Il a pas fini. Attention. Le maître. Non mais là t'es pas en champ. Ah mais je l'étais il y a deux minutes. Là ça fait deux McDo. Non mais tout à l'heure je l'étais. Fais gaffe, tu es chiant. Ça j'avais cru comprendre. Le maître explique, attention. Deux McDo à Bobo. 36 euros, c'est deux McDo. Il a pas beaucoup mangé ce soir. Non, il était malade. Ah non, il pensait à sa lame absolument. Donc. Il va y retourner en rentrant. Il est plus malade là. Là ça va mieux. Hein. T'as plus mal à l'épaule. Hein. Un quart d'heure s'est écoulé depuis que j'ai laissé Boris depuis la dernière fois. Voyons voir où il en est après la petite aide de Mez. Je sais pas si c'est précieux, mais vraiment. Donc là, ça fait un quart d'heure que je suis parti, on en est où ? Elle est toujours pas remontée. Toujours en même. Toi, tu me casses les couilles avec ton putain de camiscope. Ah bah, fallait pas me titiller sur le N4 16S. 16S, 16S, je sais pas où c'est qu'il est, le S. Hein. Ah bah, t'inquiète pas qu'ils y sont. C'est le S de HKS, c'est ça ? De la ligne d'échappement HKS ? Non, c'est juste le silencieux qui est HKS. Ouais. La ligne, c'est BFR. Ah, attention, faut pas tout mélanger. C'est comme tu me le donnes, ton silencieux ? Bah, ça dépend, tu m'achètes combien ? Parce que la ligne qui part avec, hein, tout est adapté pour la ligne, donc... J'en veux pas de ta ligne dans la ligne 4, c'est du quoi ? C'est du 35 en diamètre ? Ouais, plutôt 55, je dirais. À peu près. Du diamètre de FR ? Bah, je sais pas, je sais pas, j'ai fait faire donc. Bah, 50 c'est le diamètre de 100, 55 c'est le diamètre de FR, et 60 c'est le diamètre de Kufra. Attends, ma bite fait du 50, quand je mets les mains, ouais, ça fait du 55 quoi. Non, regarde, j'ai une grosse bite, je le dis pas. Non, mais. C'est bizarre parce que moi je crois que sur le terrain c'est du 70, 76. Franchement, à l'intérieur. Eh, quand tu feras la vidange, t'es gentil de nettoyer après, s'il te plaît, Boris. Vraiment, je merde. T'es en 2012, t'as pas d'ergonomie, t'as l'impression d'être dans un véhicule des années 80. Les plastiques, tous durs, même pas moussés. Eh, ça commence à prendre forme. Hein. J'espère bien, hein. C'est l'amour à la caméra. Pas c'est Boris. Tu peux virer les scènes où je parle, où je suis, ça m'arrangerait. Ça dépend, c'est payé combien. Je sais pas, gratuit. Alors là, non, c'est pas dans mes tarifs. Boris, il paye en nature. Non, ouais, voilà. Non, alors là encore, moi, je suis pas très dans les hommes. J'ai entendu. Dégage ta caméra. Et en plus, là, regarde, attends, là, regarde. Hop là, hé, regarde. Hop là. M'en fous, je vois encore. Disquette. Eh, hey, tu serais prié de pas vider la batterie avec les warnings. Elle appelle du secours. Eh, hey, je suis en dessous de la voiture. Ça va, Michel? Merde. Coucou. Ah bah quand même. On a presque failli attendre. Bon, voyons voir ça. Ouais ouais. Au bout de 3 heures. 3 heures plus tard, Boris a enfin fini. Et 3 heures et 1 minute plus m'en tard. M'en fous, je foutrais sur YouTube. Se prend un trait dans le cul. Non mais arrête, tu sais que j'aime ça en plus. Grand voyou. Ouais, grande folle. Ouais. Ah bah voilà, enfin. Et là, tu peux pas remonter la fenêtre. Bon, maintenant le plus chiant, faut faire le montage pour mettre sur YouTube. T'inquiète pas, moi pour faire un montage, galère moins que pour monter une M Cupra.